Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans un petit vlog routine du samedi. Donc voilà, ce samedi, j'ai décidé de faire de la pâte à sel avec les deux filles. Donc là, je suis en train de leur montrer les mesures. Donc c'est 2 verres de farine pour 1 verre d'eau tiède et 1 verre d'eau de sel. Sauf que comme j'ai fait plus de pâte à sel puisque j'ai 4 enfants et que je me doutais que les garçons allaient venir et allaient vouloir en faire, etc., etc., moi j'ai doublé les doses. Mais sinon, la vraie recette, c'est 2 farines, 1 sel et 1 d'eau. Donc voilà, je laisse Angelina faire énormément de choses. C'est très bon donc pour sa motricité. Et donc elle va, comme vous le voyez, verser les petits trucs de farine, les verres de sel, les verres d'eau, etc. Donc du coup, ne faites pas comme moi non plus, achetez un gros sac de sel et pas une salière comme moi j'ai pris, parce que vous allez le voir sur les images, on a galéré de chez galéré. D'ailleurs, on a abandonné, on a fait les 3/4 de verre. Mais bon, le principe y était. Et donc on a fait ça entre filles samedi après-midi.
Donc, comme vous le voyez, je suis assez fière de mon œuvre d'art. Un petit hérisson avec des macaronis. Voilà, je le montre, je suis fière. Ok. Vous n'êtes vraiment pas obligé de complimenter cette horreur. Bien évidemment, c'était une espèce de tortue, en fait, plus qu'un hérisson. Mais bon, voilà, je suis assez fière de moi quand même. Donc voilà mon petit hérisson et la petite main de Sandro et tout Mimi. Donc après midi, ils ont quand même fait finalement mis en couleur. Et comme je vous l'avais dit, les garçons ont fini par descendre et ont vu en faire aussi. Donc j'avais bien fait d'en faire un petit peu plus et donc de doubler la dose. Et donc là, ils sont en train de mettre en couleur leur œuvre d'art. Et ça finira par une douche pour Angelina qui a décidé de se
Bah, trois couleurs également. Donc voilà. Pendant ce temps-là, je fais un tout petit câlin avec Alessandro qui venait de boire et qui était en train de s'endormir. Et donc ce samedi même, c'était les 13 ans de Vénitio. On fera son anniversaire la semaine prochaine chez ma maman, mais là, on a décidé de manger un bon Giant et de lui offrir son cadeau. Ça a l'air délicieux, ça me donne envie d'un quick du coup. Super, j'aurais pas dû regarder ces images. Et évidemment, on mange une bonne petite glace. Ça valait la peine de la doucher. Mais en tout cas, elle a apprécié. Et donc le soir, voilà, je vous ai fait une petite story vite fait, bien fait. On s'est regardé la famille Adams. C'était assez cool. Coucou. S'appelle Alessandro. On est sur un petit bébé qui veut pas se réveiller. Regardez, on est bien. Pourtant, on a un lit. Hein. Il est là. Mais on n'y est pas souvent, visiblement. Coucou. Et voilà, c'est dimanche matin. Hey, Il est 9h30. Comme d'habitude, j'ai mes deux pots de colle. Oui, tu vas bientôt porter, Sandro. Donc voilà, on va commencer la journée. Mon petit déjeuner préféré, des fraises avec de la chantilly. J'y adore. Bon, ben, je vous prends un dimanche midi en pyjama. C'est le truc super rare. Voilà, l'état de mon sol après avoir fait de la pâte à sel avec les enfants. Angelina, elle est là. Elle regarde sur la tablette. Les autres, ils sont tous en haut. Et Alessandro, il vient de se mettre dans sa petite nacelle. Je suis en train de regarder parce que j'ai encore beaucoup de petits bodys, de petites choses à trier. Donc voilà, je suis en train de regarder à ça. J'ai préparé des papiers WC pour remonter dans le WC en haut. Parce que je vous raconte même pas. Il n'y a plus de papier WC dans le WC en haut. Mais non, on ne va pas souvent dans le WC en haut, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Du coup, je suis en train de trier un petit peu à gauche et à droite. Et de faire tourner du linge. J'ai préparé une blouse propre pour Angie parce que comme elle bave beaucoup. Donc voilà, je suis pas coiffée, c'est bien, je suis pas coiffée, j'ai pas fait ma couleur du tout. Tout va bien. Donc voilà. On a mangé un quick hier. On a mangé un quick hier pour l'anniversaire de Vinicius. Alors il va avoir un gâteau et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que d'habitude on fait l'anniversaire chez maman samedi avec son parrain, donc mon frère et maman, mon papa, etc. Et donc, il a ses cadeaux. Il s'endort, il s'endort, il s'endort toujours un peu. Il a ses cadeaux et tout ça. Sauf que ici,
ma maman avait l'opportunité de partir 4 jours avec ma tante, donc entre cette nuit, 4 jours avec ma tante en Alsace. Donc du coup, ça tombait justement au moment de l'anniversaire de ça. On a dit, ça va, on va faire un compromis. On va faire un compromis. C'est un bébé malheureux. On va faire un compromis et donc on est allé. On a dit le 9, parce que c'est le jour pile poil, justement ce samedi-ci, on va lui faire. On va rester à la maison et on va donc se faire un quick. Et samedi prochain, on fera. Et samedi prochain, on fait donc l'anniversaire chez maman. Donc hier, on lui a offert son cadeau d'anniversaire. Ici, de notre part, j'ai pris la boîte évidemment, mais on a pris les AirPods. Et donc voilà, il était très content. Il les a tout de suite connectés à son smartphone. Et voilà, ce petit bonhomme. Donc du coup, on est dimanche. D'habitude, je ne vous prends jamais le dimanche. Encore moins, pas maquillé, pas coiffé, et en pyjama. Mais voilà, je me suis dit que j'allais changer, que j'allais vous montrer vraiment tout ce que je fais sur un week-end quand je reste à la maison. Donc je vous avouerai qu'hier, on a fait un long après-midi. Il vient de boire et à mon avis, il a du mal à faire son plat. On a fait un long après-midi. Oui. On a fait un long, il tient le micro, il vous parle. Il veut expliquer qu'il est malheureux cet enfant. Faites quelque chose, je suis malheureux. Faites quelque chose, je suis malheureux. Mais tu veux dire quoi? Vas-y. Tu veux dire aux gens quelque chose? Donc voilà, il va bientôt avoir 2 mois, ça va vite. Donc du coup, je disais hier, après-midi, lui, il était faire un gros dodo avec son papa. Le papa ne faisait pas dodo, le papa joue aux jeux vidéo. Et moi, j'ai fait donc presque une heure de pâte à sel avec les filles. Et puis après, on les a mis en couleur. Une partie, ils sont en train de sécher, là, vous voyez, derrière. Une partie, on a mis en couleur. Et puis, on a mangé un queen, comme vous avez vu. Et puis après, on a regardé donc la famille Adams dans le lit en haut. Petit bonhomme, il a bu à 21h30. Il s'est endormi à 23h. C'était difficile d'endormir. Mais il est allé jusqu'à 3h30 du matin. Et puis là, il a rebu et il s'est rendormi. Et il vient de reboire seulement maintenant. Donc il a fait deux très très longues périodes. C'est très très bien. Donc voilà. Du coup, cet après-midi, je vais vous filmer donc la recette des pâtes sous épinards crème que je fais donc à la cookie dough. Donc voilà. Et puis je vous montrerai un petit peu la préparation de sandwich que je fais pour mon fils, préparer les habits, ce genre de petites choses. Donc voilà. C'est un week-end tranquillou à la maison. On sort tous les deux. Moi et mon chéri, j'ai une grosse grippe. Donc en fait, je ne vous ai pas filmé la semaine dernière parce que j'étais pas bien. Et ça se voit, j'ai des grosses cernasses. En fait, on s'est chopé la grippe, on pensait avoir le Covid, mais on a testé négatif. Donc c'est pas le Covid, c'est bien une grosse grippe. Si vous entendez du bruit, c'est Andy qui regarde des animés sur sa tablette. C'est mon premier café, il est midi. Donc du coup, je me disais, on s'est tapé une grosse grippe et moi, mon retour de couche. Donc, voilà. Et en plus, comme j'ai l'implant, c'est pas des règles super fortes, donc c'est vraiment des petits spottings qui s'étendent comme ça sur 5-6 jours. Très léger, mais bon voilà. Et donc j'ai mon retour de couche, je ne me raconte pas, j'avais quelques douleurs à l'utérus. Quelques douleurs à l'utérus, et il tient le micro. Il est vraiment motivé à vous parler.
Donc voilà, donc du coup j'avais quelques douleurs d'utérus et moi et mon chéri on était très mal, on avait mal partout, ça va beaucoup mieux, mal partout, mais partout, hein. J'avais mal toutes les articulations et tout, on toussait un petit peu, mal de tête, fatigué. Je dis c'est bon, ça y est, c'est fait, on a le corona puisque mon fils avait été testé le 20, 22, 23 septembre, positif et qu'on était en quarantaine. On devait donc obligatoirement se faire retester le 6. Que c'est des dates qu'ils vous donnent quand vous prenez le premier test, ils vous donnent la date pour le deuxième test obligatoire. Et donc, on a été se faire retester, donc pas lui, puisqu'il était positif, donc il n'avait pas besoin d'un nouveau test. Mais donc, on a été se faire tester, on s'est dit, c'est bon, c'est sûr, on est positif. En fait, non, on était négatif, donc on s'est bien chopé la bonne grippe. Super, super. Donc, voilà. Donc du coup mon chéri est encore cette semaine à la maison parce qu'il devait recommencer le lundi après sa quarantaine. Mais il ne s'est pas mis au malade pour l'idée, pour se réveiller. Mais il faut les planning par semaine à ce qu'on travaille. Et comme on a reçu les résultats vendredi, ils avaient déjà fait les plannings pour cette semaine, donc ils n'avaient pas prévu de mettre en planning. Donc du coup, ils m'ont dit bah, tu peux rester une semaine encore chez toi, on va mettre du coup, ce chômage Covid, comme ça il est payé par le chômage Covid. Donc du coup cette semaine il est encore avec moi. On espère que cette semaine, il ne va plus y avoir de quarantaine, plus de problèmes, et qu'on va pouvoir être enfin tous les deux, moi et mon chéri, parce que j'ai toujours pas su aller chez Action, toujours le bordel aussi. Mais enfin, je suis en train de regarder toutes les vidéos arrivées à chaque Action et tout ça, pour essayer d'avoir des idées un peu claires de ce que je veux faire, mais je pense avoir une bonne idée de ce que je veux. Donc voilà, et on va essayer de vider mon bureau, parce qu'on est à deux sur ce bureau-ci, donc... Faut trouver des solutions pour mettre le petit PC de madame qui est ici. Donc voilà, elle a son PC qui est là. Et on aimerait bien lui mettre en haut avec ses agresseurs en haut dans sa chambre. Donc voilà, donc on espère qu'on va pouvoir faire tout ça. Aujourd'hui, normalement, mon menu c'était poulet, riz, légumes, mais je vais pas le faire en fait parce que le riz ça se conserve, hein, donc il n'y a pas de souci, ce sera pour une fois prochaine. Et le plan de poulet, bah, il est au congélateur, donc il n'y a pas de drame. Par contre, il y avait trop de saumon. J'avais pris un gros pavé de saumon frais et des épinards pour faire de la quiche. Mais j'ai fait une quiche saumon épinard, une quiche thon tomate et une quiche, enfin une tarte au fromage, quatre fromages. Et donc j'avais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de saumon. C'est vraiment un gros morceau de saumon pavé et des épinards. Donc aujourd'hui, je vais les faire avec des pâtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pâtes, saumon. Épinard et chèvre. Donc voilà. Du coup, je vais vous filmer ça après-midi. Je vais vous montrer comment je fais aussi pour les habits. Ça va changer. En fait, pour les habits des enfants, je vais acheter des bacs. Comme ça, ils auront tous leurs bacs parce que les garçons, les filles, ça va. Parce qu'ils n'ont pas le même âge. Mais les garçons, ils ont que 13 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois de différence. Et donc, ils ont tendance à se tromper dans les habits. Et donc, comme ils ont 12 mois de différence, il y en a quand même un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Hein. Il y a quand même une taille de différence entre eux. Et il y a temps de s'endormir. Il y a quand même une grosse taille de différence entre eux. Et donc, du coup, on se retrouve. Et puis, ils ont leurs habits fétiches. Donc, le petit a tendance à piquer l'habit de l'autre. Donc, du coup, on va leur acheter 4 bacs. Et chacun aura son petit bac avec ses habits, mais je vais quand même vous montrer que comment je fais le soir. Je monte et je prépare, etc. Et voilà. La semaine prochaine, mon chéri est là, mais il m'a dit que ça ne dérangeait pas en fait que je fasse la routine pendant qu'il est là. Juste que il essayera de ne pas se montrer en pleine face de la caméra, et puis c'est tout. Donc voilà, voilà. Et donc, aujourd'hui, voilà, je vais faire un peu ça. Et j'espère que ce petit vlog du week-end, vous montrer un petit peu ce qu'on fait le week-end quand on est à la maison, bien évidemment, parce que il y a des week-ends où on sort, etc., avec les enfants, mais là, il fait trop. Il fait bon, mais on a tous été malades, bébé encore petit, donc on ne va pas trop où on y va. C'est petit, on prend la poussette, d'accord, mais enfin, c'est chiant plus qu'autre chose, faut s'arrêter, il aurait bu, il a changé, nanana. Alors qu'au final, si on attend le mois de février-mars,
Il sera plus grand, il pourra manger des petites choses avec nous et il aura 6-7 mois et à ce moment-là, ils peuvent manger un petit morceau de ce que vous avez dans votre assiette, si vous coupez un petit morceau. Enfin. Donc voilà. Ça va? Oui. Comment vous voulez ne pas craquer? C'est craquant. Bon, moi je vous laisse, je vais aller faire tout ce que je dois faire. J'ai achevé le vlog de Piute. J'adore, ça fait 2 ans que je suis abonnée à Piute. Elle a même parlé de moi dans une de ses vidéos. Donc voilà, voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec les images de fin, donc avec la fin de ma journée, donc de la cuisine, la préparation pour l'école le lendemain. Je vous fais de gros, 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 gros bisous et on se retrouve dans un futur vlog. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Au revoir. Donc on se retrouve pour faire le souper. Il restait assez bien de saumon, de la quiche. J'avais pris un gros pavé de saumon. Donc là voilà, je mets les pâtes, je mets la crème fraîche. Ça va très vite au cookie, c'est des choses qui sont très rapides. Et puis ensuite, je vais simplement mettre le restant d'épinards qui était donc dégelé pour les quiches. Je vais couper ensuite le saumon en gros morceaux, voilà, pour dire d'avoir de sentir quand même le goût du saumon. Donc j'en avais pris 3 fois trop pour une quiche, c'était vraiment de trop. Donc c'était pas du tout prévu, hein. Vous avez vu le menu dans mon dernier retour de course, c'était vraiment pas ça qui était prévu, mais bon, je préférais sauter un de mes repas que de jeter du saumon, puisqu'il avait déjà été dégelé, donc on n'avait pas trop le choix. Donc, je me suis dit, pâte au saumon, c'est pas mauvais, en plus il est hyper frais, donc et il était très très bon. Donc voilà, moi je les coupe grossièrement, je ne me prends pas trop la tête. Mais j'ai fait des assez gros morceaux. Parce que nous, on aime bien le saumon, on aime bien le goût du poisson. Donc, voilà. Ensuite, je suis en pleine conversation. Je réponds sûrement à une question. Ensuite, je vais rajouter évidemment le plus important, le fromage de chèvre. Donc il n'est pas obligatoire hein, de le mettre, mais on est des grands fans. Donc voilà.
Et donc là, on rentre dans la routine du soir. Donc je vais commencer à faire les bibis. Donc le premier biberon avec du lait tout à fait classique pour Angelina. Elle boit encore tous les jours soir son biberon de lait parce que elle a toujours un peu de mal avec les repas. Donc du coup, ça lui cale un peu l'estomac pour faire dodo. Donc voilà. Avec du vrai Nesquik. Et puis ensuite, je vais faire ceux d'Alessandro. Alors Alessandro, il est au lait nan. Et je fais 3 biberons de 150 et 5 mesurettes de nan. Et on varie en eau entre l'épar, l'évian et l'aspa. On nous a conseillé de changer régulièrement d'eau. Donc si jamais ils auraient des coliques ou des petits soucis, voilà. Faut peut-être changer un peu d'eau de temps en temps. Alors c'est pas obligé de prendre des marques, hein. Il y a l'eau de chez Aldi et de chez Lidl est très bonne pour les nouveau-nés. Il suffit de regarder dessus, mais elle est parfaite aussi. Donc voilà, nous on prend le Nanevolia. Voilà, le Nanevolia maintenant. Parce qu'on m'a demandé quel lait il prenait. Donc c'est l'Evolia HA. Donc voilà, et il fait 150 ml pour 5 mesurettes. Et donc on m'avait demandé le nombre de biberons. Je crois qu'il tourne maintenant à 6. J'ai réussi quand même à redescendre à 6. À la base, il était à 7. Donc voilà. Et donc tous les jours soir, je prépare le petit stock de biberons parce que vous verrez à la fin que j'ai un chauffe-biberon sur ma table de nuit. Donc voilà. Et alors je rajoute également la petite poudre blanche qui se trouve là-bas au fond dans le pot. Voilà. Ça, c'est du Cereals Baby au goût vanille. Je mets une cuillère. C'est la cuillère du Nutriton. Je mets une cuillère dans chaque, sauf celui que je vais lui donner à 21h, 22h, qui là, j'en mets 2 cuillères. Et alors, pour le reconnaître, ben, vous voyez, je mets le bouchon sur la tétine. Comme ça, je suis sûre de le reconnaître pour lui donner le soir. Et ce petit casier, je l'ai acheté à l'Intermarché, je pense, au Carrefour. Donc il est super, super pratique pour mettre les biberons et pouvoir les transporter partout. Donc là, comme vous le voyez, je vais préparer le sandwich de monsieur. C'est de mon fils, en fait. Alors il n'y a que Vénitio, parce que mon chéri ne travaille pas pour l'instant. Et les 3 autres, ils vont à la cantine, donc ils mangent le midi chaud. Donc voilà. Donc je vais lui faire un petit sandwich en brure avec de la mayonnaise. De la salade et du jambon. Donc voilà. Et donc, comme tous les jours, je vais préparer les habits des enfants. Donc, ceux d'Angie, j'essaie de les préparer en dessous. C'est beaucoup plus facile puisqu'on l'habille nous-mêmes.
Donc je mets ce petit sweatshirt qui est vraiment trop beau, qui vient de chez Zeman. Et voilà, je lui ai mis une petite culotte sur la table allongée. J'ai rangé la cuisine et la table est remise. Il restera le sol que j'ai fait ce matin justement. Et donc ensuite, je prépare les habits des grands. Donc voilà, chacun a son petit tas d'habits. Donc voilà, ça c'est les habits pour Vénitia, puis il y a les habits pour Valentino, qui d'ailleurs a changé d'avis puisque j'avais prévu un pull en laine et il ne l'a pas mis. À mon avis, ça le gênait, ça le grattait, je ne sais pas. Donc voilà, je leur mets leurs petites chaussettes. Et puis ensuite, je vais faire ceux de la petite Lette, vous la connaissez. Donc voilà. Donc du coup, vous l'aurez douté qu'elle était à côté de moi en train d'écouter ce que je fais, que c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était laide. Donc voilà, elle a sa blouse et son pantalon jupe. J'ai trouvé ça trop beau. Donc voilà. Et ensuite, je vous montre, comme je vous avais promis, hein, mon fameux chauffe-biberon. Je vous l'avais montré dans le hall AliExpress. Ça m'évite de faire des allers-retours entre le micro-ondes qui est en bas et la chambre. Donc voilà. Et j'ai un petit bac en dessous du berceau avec des pampers, de la crème et des lingettes. Et on termine cette vidéo sur Alessandro qui s'est endormi. Donc voilà.
pour mettre le sel complet dans un verre.